et bienvenue dans l'atelier de Mademoiselle Pétronille. Je suis Céline, designer et professeure de tricot pour la marque Mademoiselle Pétronille. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour le 8e épisode de ce vlog dédié au tricot. Pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent ici, ceci est une chaîne et qui est dédiée au tricot. Et plus particulièrement, je partage à travers des vlogs mensuels le quotidien, les coulisses de mon activité professionnelle liée au design de tricot. Je remercie très chaleureusement les nouveaux abonnés à ma chaîne et bien sûr, je remercie très grandement les personnes qui reviennent à chaque fois pour écouter mes partages autour de mon métier. J'espère que les petites séquences de mon quotidien professionnel vous ont plu pour ce mois de juin et je viens partager plus précisément avec vous mon processus de création autour de deux actualités du mois de juin. Et je vais commencer par par ce que je porte en fait, voilà le petit objet que j'ai là sur moi qui est le fruit de la collaboration pour le Club Découverte 2020 de l'Anae Tricot. J'avais eu la chance d'être contactée déjà l'année dernière, donc en 2019, pour la première édition du Club Découverte de l'Anae Tricot. Anna m'avait proposé de designer un petit modèle pour faire découvrir donc les fibres naturelles de sa boutique et j'avais réalisé un petit design de mitaine avec, si je me souviens bien, oui, la laine Bio Shetland de Bessegarn. Cette année, Anna a fait un nouvel appel à moi pour la troisième box, donc la troisième et dernière box de ce club découverte, autour d'un fil un peu particulier puisqu'il s'agit d'un fil plutôt considéré comme un fil estival. Je vais vous en parler dans un moment. Juste un petit rappel autour de ce qu'est la box, enfin le club découverte de l'Anae Tricot. Anna souhaite, à travers ce club, permettre à des tricoteuses qui ont envie de découvrir des fibres un peu différentes et des fibres naturelles, un peu plus ce qu'on appelle rustiques, et à travers une petite box qui joint à la fois un petit volume de fil, un volume de fil pour réaliser un accessoire. Cet accessoire, il vous est proposé de le réaliser à travers un modèle d'un designer qui collabore à cette box. Toutefois, bien sûr, vous pouvez utiliser le fil pour le design que vous avez envie. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir le fil, des fils différents, prendre le risque d'aller tricoter des choses nouvelles et d'expérimenter ce que peut être le tricot autour des fibres naturelles non traitées. Cette année, revenons un petit peu à nos moutons et à notre actualité, c'est le fil Toussa Tweed de Bessegarn que Anna m'a gentiment proposé pour réaliser un modèle. J'ai créé un modèle en concertation avec elle d'un accessoire qu'on pourrait utiliser pour la belle saison, mais qui permettrait quand même de bien utiliser l'intégralité de la pelote qui est fournie dans la box. Et pour cela, on s'est tourné vers une idée de châle. Col, voilà, c'est une combinaison entre un col et un châle qui est très agréable à utiliser puisque ça permet de ne pas trop se poser de questions de comment enfiler et placer son châle puisqu'il suffit simplement de le mettre comme un col et de le poser, de le laisser tomber sur les épaules. Ce col, je l'ai intitulé avec un terme un petit peu compliqué à prononcer puisqu'il s'agit du col bandana, donc c'est comme ça que j'ai décidé d'identifier cet objet. Il s'appelle le col Staromietske Namietsti. Alors c'est un nom tchèque, toutes mes excuses pour les personnes qui parlent tchèque, voilà, je n'ai pas du tout l'accent, c'est simplement la manière dont je l'ai déjà entendu par ma grand-mère ou par ma maman, mais voilà, ça veut dire, c'est le nom qui est donné à la
place de la vieille ville de Prague. Et voilà, donc je voulais donner un petit clin d'œil à mes origines par rapport à ce modèle. Aussi pour entrer en résonance par rapport à la box numéro 2 qu'a proposé donc Anna dans son club découverte, où elle a créé un modèle de chaussettes qui était en lien avec son voyage à Stockholm et son expérience de tricot dans les rues de Stockholm. Moi, je voulais faire un petit clin d'œil en disant, ben voilà, le col. Alors, on va l'appeler le col Staro, hein, pour faire plus simple. Le col Staro Miejskie Namiesty, c'est vraiment un petit clin d'œil à mes origines tchèques. Ça, c'était vraiment pour parler un petit peu de pourquoi il a un nom un peu alambiqué. Concernant le fil, puisque c'est de ça dont il est principalement question, je vais vous parler un petit peu moi de mon ressenti par rapport à ce fil un peu particulier, puisqu'il s'agit donc de soie toussa tweedée. Alors d'abord, la soie toussa, c'est un petit peu différent donc de la soie de verre de mûrier qu'on connaît plus principalement. Là, c'est la soie qu'on utilise, qui est en fait la soie d'un verre d'élevage. Là, on va être sur une soie d'un papillon et donc d'un ver, tout ça qui est un papillon sauvage. Ça ressemble un petit peu à un bombyx, hein, c'est la même famille que les vers à soie du mûrier, mais là on va être sur une soie sauvage, c'est-à-dire que les cocons sont trouvés directement sur les arbres sur lesquels les papillons vont pondre. L'avantage a priori de ce fil-là, en tout cas de ce qui fait la qualité de la soie toussa, c'est la résistance. C'est un fil de soie qui est très résistant, apparemment, qui permet donc d'avoir un objet qui va durer dans le temps. Donc, ça rentre parfaitement dans l'envie de ce que veut vous faire découvrir Anna de Lana et Tricot dans ce club découverte. C'est vraiment de travailler des matières qui vont avoir des qualités de durabilité. Et tout en étant non traité et naturel. Pour ce col, moi ce que j'aimais, enfin dans le processus, au moment du tricot, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un fil donc, qui en effet est solide. Il est très confortable parce qu'il a un toucher mat, c'est-à-dire qu'à la fois il a la brillance de la soie, donc il est extrêmement doux au toucher, mais en même temps il a un toucher qui est beaucoup plus mat. Il n'a pas cet aspect qu'on peut avoir des fois sur des soies qui sont très glissantes. Là, pas du tout. C'est un fil qui tient un petit peu mieux sur les aiguilles. Bien entendu, c'est un fil extrêmement léger. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir une plume sur moi. Il est extrêmement léger, il est parfait pour la belle saison, tout en ayant des qualités thermiques très intéressantes. Là, je l'ai sur moi, je vous assure qu'il me réchauffe. Alors, il me réchauffe sans me donner cette sensation d'être comme une laine et de me tenir trop chaud. Donc, il a vraiment cette qualité de tempérance thermique, c'est-à-dire qu'il va vraiment apporter juste ce qu'il faut pour la belle saison d'été. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le tissu qu'on obtient, c'est que les petits tweeds, donc les irrégularités d'excès de fibres qu'on va retrouver sur le tissu, donnaient énormément de relief, je trouve, au produit final. J'aime vraiment beaucoup. De ce fait, puisque le tissu est très typé, simplement quand on le tricote, j'ai pas voulu utiliser de points complexes, puisque la texture est apportée directement par les petits tweeds. Donc il y a une grande majorité quand même de base en jersey sur ce modèle. Après, j'ai essayé de travailler pour qu'on obtienne quand même un petit modèle qui soit très sympa pour l'été et qui donne quand même un rendu un peu chic, un peu élégant. Donc le modèle, il se tricote à plat, donc en aller-retour, et ensuite on va faire une couture finale pour le fermer et pour faire en sorte que ça vienne donc se positionner comme un col. Il se tricote à partir d'un coin du triangle comme un châle en fait, et on va le tricoter en biais. Je vais peut-être l'enlever pour vous montrer un petit peu comment ça se forme. Vous voyez, il va se tricoter d'un coin et on va descendre, enfin on va descendre, on va plutôt procéder à des augmentations, avec un rythme d'augmentation un peu particulier. Et on va aller dans ce sens-là, dans le sens oblique du châle, qui va donc être le biais, moi j'ai appelé ça le biais du châle.
Il est composé de trois sections. Il y a une première, il y a, il a trois sections. Il y avait, qui combinent à chaque fois du jersey, des rangées de jour, et on termine par un motif. Je ne sais pas si vous allez bien voir, un motif de dentelle. Voilà, qui est une dentelle toute simple, hein. L'idée était vraiment de mettre en valeur la matière avant tout et ne pas trop travailler la texture avec des points compliqués. Et donc à la fin, on va rejoindre les deux bouts qui sont en fait pas des pointes mais des bouts droits. Vous verrez, il y a une petite bordure hein, qui est au point mousse qui permet de démarrer le col. Et ensuite, on fait une couture invisible sur une toute petite. Ouais, c'est vraiment une toute petite couture sur une petite dimension. Voilà. Et ensuite, vous voyez, on a juste à le passer par la tête et on le laisser tomber sur les épaules. Donc, bon, là, je l'ai mis avec un petit top, mais vous pouvez, je pense, le mettre aussi avec une petite robe à bretelles. Ça doit être très sympa. Et ça permet justement de venir. Protéger un petit peu le décolleté quand il commence à faire un petit peu frais. Une petite mise en garde par rapport à ce modèle. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait l'échantillon de notre projet tricot, cette fois-ci, c'est le nombre de rangs qui prévaut sur le nombre de mailles. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre échantillon, il va vraiment falloir tenir compte, avant toute chance, d'obtenir le bon nombre de rangs par rapport au nombre de mailles, parce que c'est ça qui va déterminer la circonférence de votre col, c'est-à-dire la largeur. Il faudra avoir assez de nombre de rangs pour pouvoir passer la tête, et en même temps, il ne faut pas non plus que ça vienne trop se détendre, en sachant que c'est un fil qui se détend énormément au blocage. Donc, il faut faire très attention. Il a les avantages d'un fil d'été, c'est-à-dire un peu comme du lin ou du coton. Il va énormément vivre avec la chaleur corporelle quand on le porte. C'est-à-dire qu'il va vraiment venir s'assouplir, se détendre, prendre son aise et venir s'installer sur vous avec votre chaleur corporelle. Donc il faut vraiment faire attention, prendre en compte cet élément. Suivez bien les indications de mon schéma technique sur le patron. Comme ça vous permettra de ne pas partir et d'avoir de mauvaises surprises à la fin. Donc, ce modèle est pour l'instant là en exclusivité avec le club découverte pendant quelques jours. Les personnes ont reçu donc la box avec la laine et le patron. Mais il va bientôt être mis en ligne sur ma boutique Ravelry. Là, dans les prochains jours, d'ici la fin juin, vous allez pouvoir trouver le modèle du patron à télécharger sur ma boutique Ravelry. Donc, voilà pour ce petit. Premier petit modèle que je voulais vous présenter, en tout cas vous expliquer mon ressenti par rapport à la fibre. On va faire un petit intermède et puis vous retrouve après pour vous parler plus particulièrement cette fois-ci de fil d'été et d'échantillons à travers pareil mon processus créatif. À tout de suite! De ce printemps-été 2020. Il s'agit de l'événement que nous co-organisons avec Anna de Lanaï Tricot et Lucille de Lucille Atelier Design. Il s'agit du Cal Estival Lanaï. Alors, qu'est-ce qu'un cal? Parce qu'on va commencer par ça. Tout le monde ne connaît pas donc le procédé du cal. Le cal, ça veut dire knit along en anglais et l'idée, c'est de tricoter ensemble autour d'une thématique, autour d'un projet commun. Et là, cette année, avec mes compatriotes et très chers amis Anna et Lucille,
On s'est dit ben, pourquoi pas passer l'été à tricoter ensemble autour de nos modèles de design estivaux, mais aussi autour des fils d'été que propose la boutique Lanaé Tricot. Donc c'est pour ça que vous pouvez venir nous rejoindre à l'occasion de ce cal pour tricoter 6 de nos modèles à Lucille et à moi. Donc il y a 3 modèles de Lucille et 3 modèles de moi, de Mademoiselle Petroni. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir de tricoter un de ces modèles dans un des fils que propose Lanaé Tricot. Donc il suffit d'aller voir sur le groupe de discussion Ravelry de Lanaé Tricot. Je vous mettrai le lien vers le cal de toute façon dans le descriptif en bas sous la vidéo. Vous aurez toutes les informations concernant à la fois les modèles, comment se déroule le cal, comment vous pouvez participer et surtout quels sont les fils que nous vous proposons de découvrir à l'occasion de cet événement. En sachant bien sûr que vous êtes libre de choisir les fils de votre stock pour tricoter un des 6 modèles. Donc, je vais profiter de cette occasion, de cet événement pour vous parler de quelque chose en particulier qui est important dans le processus de création, c'est l'échantillon. Et particulièrement l'échantillon avec les fils d'été. Puis c'est un petit peu différent et vous allez voir que vous avez peut-être un petit peu plus de marge concernant le choix de votre fil à partir d'un échantillon. Je vais vous prendre l'exemple à travers mes 3 tops d'été, le top Jane, le top Slava et le top Betty, qui sont donc les 3 modèles que je propose de tricoter pendant le cal. Je vais vous montrer comment, grâce à l'échantillon, vous allez pouvoir vous orienter vers tel ou tel fil. Si vous vous rendez dans ma boutique Ravelry, sur les différentes fiches patrons de ces 3 modèles, Ravelry donne en indication au tout début de la fiche du patron sur l'intitulé groupe de fils une suggestion de l'épaisseur de fil à utiliser pour le modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette information, elle est renseignée automatiquement par Ravelry. On n'a pas, nous, de possibilité, designer, de pouvoir la rentrer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment où on saisit notre fiche patron sur le logiciel, on va rentrer le fil avec lequel on a réalisé le prototype qui est visible sur les photos du patron. Et automatiquement, si c'est une laine qui est reconnue par Ravelry dans sa base de données, ils vont automatiquement rentrer la classification qui lui correspond. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que sur par exemple le top Jane, c'est recommandé de le tricoter dans un fil light fingering, tout simplement parce que j'ai renseigné le fil, je crois que c'était la Holst Garn que j'avais renseigné comme suggestion de fil sur ce patron-là. Pour le Slava, ils vont vous mettre dentelle comme suggestion de groupe de fil, puisque le prototype qui est là, je l'avais tricoté en collaboration avec Candy Wool et son fil dentelle single. Et le Betty, comme je l'ai tricoté enfin comme Fabienne l'a tricoté en fil canapa de Langerne, qui est considéré comme un calibre fingering, bah, il va vous proposer fingering. Mais ce que je vais vous proposer moi, c'est d'aller un peu plus bas dans la fiche de description. Et aux notes que moi je renseigne sur le patron, vous allez les informations concernant le matériel, il y a des informations sur le fil et le métrage. Sur le fil, j'ai mentionné ceci, que le modèle pouvait être tricoté dans une épaisseur de fil allant de lace à sport, donc lace pour dentelle jusqu'au calibre donc sport. Ce qui veut dire que vous pouvez tricoter ce modèle. En fait, ces 3 modèles, vous allez voir pourquoi, dans une qualité de fil soit dentelle, soit light fingering, soit sport. Voire, vous pouvez aller jusqu'à DK, mais ça, on en reparlera peut-être à une autre occasion. Mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, ce sont des fils qui vont convenir pour pouvoir obtenir l'échantillon que je recommande, que donc j'incite à obtenir pour tricoter ce modèle.
puisque les échantillons qui sont recommandés pour ces trois modèles sont de 22 mailles pour 32 ou 34 ans en fonction du modèle. Ces 22 mailles, en fait, correspondent à ce qu'on peut facilement obtenir avec ces groupes de fils, que ce soit en lace jusqu'à la sport, voire la déca. Après, ça dépend du diamètre des aiguilles que vous allez utiliser, ça va dépendre de votre tension, mais ça va dépendre aussi de la fibre, hein, puisque en fonction des fibres que vous allez utiliser, vous allez avoir des fibres qui vont se déployer au moment du blocage, vous avez des fibres qui vont rester plutôt sèches et droites, qui vont pas trop bouger. Voilà, ça va être en fonction de comment va vivre aussi votre fibre sur le vêtement que votre tissu va pouvoir convenir. Et moi, je trouve ça, en fait, un champ d'exploration et de création est énorme, puisque comme vous avez juste à vous soucier de vous rapprocher le plus possible de l'échantillon recommandé, et bien à vous d'explorer le type de fil que vous avez envie d'utiliser pour votre modèle. L'important va être d'obtenir le tissu, l'étoffe qui vous plaît le plus. Est-ce que vous voulez une étoffe soyeuse? Est-ce que vous voulez une étoffe qui a beaucoup de drapé? Est-ce que vous voulez une étoffe qui est un petit peu transparente pour l'été, qui laisse passer de l'air, puisque vous avez envie d'un vêtement assez aéré? Après, est-ce que vous voulez une étoffe transparente? Ça peut être possible si vous l'utilisez par exemple en superposition sur un autre vêtement. C'est le cas par exemple de la lace, la Merino Lace Single de Candy Wool que moi j'utilisais pour le top slava. Il y a une certaine transparence, mais comme j'utilise par-dessus un autre vêtement, ça ne pose pas de problème. Ce que j'adore par exemple dans ce fil, c'est qu'il est très très léger. Ça donne vraiment, avec très peu de grammes de fil, vous allez obtenir un vêtement. Et comme c'est un fil single, au bout d'un moment, et ben, il y a un halo. Un halo qui va se former sur l'étoffe et donc qui va venir, entre guillemets, bien bien remplir les mailles, et finalement la transparence elle n'est pas si grande que ça. Au contraire, sur le modèle là, c'est le tout premier, je vais peut-être me lever, vous verrez mieux. C'est le premier fil que j'ai utilisé pour mon premier prototype du top Jane. C'est une soie sauvage artisanale que j'avais achetée auprès d'une fileuse indépendante, et on obtient un tissu très 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 transparent, très léger, très irrégulier aussi. Je sais pas si vous voyez le fait que ce soit quand même comme un peu une bourrette de soie. On n'a pas non plus une définition de maille parfaite, mais c'était voulu, c'était le choix, c'était le tissu que je voulais. Je voulais garder quelque chose de rustique qui corresponde bien au fil que j'avais choisi. Là, sur la canapa, on va avoir un fil qui va se rapprocher un petit peu aussi des propriétés du lin. C'est-à-dire que à la fois c'est une belle densité de fil, on a une jolie densité, donc la transparence est là, mais pas trop forte, puisque le fil est quand même assez dense, hein, donc vous allez garder un tissu plutôt dense, mais vous allez obtenir, bah, avec la canne à pain, un peu plus de brillance par exemple, puisque c'est du chanvre, donc là vous allez avoir un peu plus de brillance. C'est aussi celui que j'avais utilisé pour ma deuxième version du top Jane. Voilà, donc vous allez vraiment explorer en fonction des différents fils et de leur calibre, parce que parfois ça arrive que par exemple les cotons soient un peu plus épais, ils arrivent sur des calibres qui se rapprochent plus du sport ou de la déca. Certains mélanges aussi, par exemple je pense à un des fils que propose Anna d'ailleurs pour le cal, la Biobalance, qui mélange du mérino et du coton, qui est considérée comme une light fingering, mais comme elle va bien se déployer, elle va prendre toute sa place au moment du blocage et du lavage, les mailles vont vraiment bien, le tissu va être beaucoup plus rempli, beaucoup plus dense, tout en restant très léger. Donc c'est l'important, ce que j'allais dire, c'est de vous rapprocher le plus possible de ces 22 mailles. Après, à vous de voir. Ce que je vous recommande aussi, et ça c'est très important, c'est de bien laver et bloquer votre échantillon. Parce que c'est ça qui va vous donner une vraie idée de l'étoffe que vous allez obtenir après votre tricot, sur votre tricot final. Donc ça c'est vraiment très important, et c'est ce qui va vous donner la réalité de votre échantillon. Pour le nombre de rangs, c'est moins grave, puisque dans ces modèles-là, je vais vous expliquer au fur et à mesure en nombre de centimètres comment avancer, puisque c'est un top-down. Les trois modèles sont des top-down, donc ça va vous donner une idée de comment avancer en nombre de centimètres.
Donc c'est moins gênant si vous n'obtenez pas le nombre de rangs, notamment pour la hauteur d'embranchure. Je vous la donne toujours en centimètres pour justement vous aider si vous n'obtenez pas le nombre de rangs. Mais par contre, le nombre de mailles, essayez de vous en rapprocher le plus possible. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez vraiment du mal à obtenir le nombre de mailles qui est recommandé dans l'échantillon? C'est pas très grave en fait. L'important, c'est que vous arriviez à vous en sortir. Si vous obtenez, notamment moi ça a été le cas pour le modèle du Jane en chambre, en canapa, j'avais un nombre de mailles un peu plus important. Je crois que j'obtenais 23 mailles au lieu de 22 mailles. Ça, c'est vraiment pas gênant parce que vous avez une autre solution. Oui. Ce que je vous propose, c'est juste de bien choisir votre taille. Ces trois modèles proposent beaucoup d'aisance. Entre 10 et 20 cm d'aisance, donc vous êtes tranquille, vous n'avez pas trop de risques pour vous tromper de taille. Ce que je vous recommande, c'est de utiliser la règle de 3. Vous allez prendre la mesure de votre tour de poitrine. Imaginons par exemple que vous fassiez 100 de tour de poitrine. Vous avez envie d'avoir quand même une aisance agréable parce que c'est un top d'été, vous ne voulez pas qu'il soit collant, trop ajusté. Donc vous dites, bah moi je voudrais plutôt tirer vers une 15 cm d'aisance sur le vêtement fini. Donc je vais prendre mes 100 cm de tour de poitrine, je vais rajouter les 15 cm d'aisance. Donc je veux obtenir au final un vêtement qui fait 115 cm de tour de poitrine. Enfin, de dimension tour de poitrine sur vêtement fini. 115 cm. J'ai un échantillon de 23 mailles au lieu de 22 mailles. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un produit en quoi? Je vais faire 115 fois 23 mailles divisé par 10 cm et je vais obtenir le nombre de mailles, c'est total, qu'il va me falloir pour avoir cette circonférence de tour de poitrine sur le vêtement fini avec l'aisance comprise dedans. Donc par exemple, pour 115 cm, ce qui veut dire que les tours de poitrine plus les 15 cm d'aisance, je le multiplie par 23, je divise par 10 et j'obtiens 264,5 mailles. Donc on va dire entre 264 et 265 mailles qu'il va me falloir pour pouvoir avoir sur le vêtement fini, pour avoir le vêtement qui va me convenir à ma taille. Et bien à ce moment-là, je vais regarder au moment du patron, quand on a rejoint le dos et le devant sous les emmanchures, vous verrez dans les modèles, il y a souvent je propose de faire des diminutions sous les emmanchures. Après ces diminutions-là, vous avez la circonférence réelle de votre tour de poitrine, du vêtement au niveau du tour de poitrine. Je vous donne le nombre de décompte, le décompte de mailles totale à ce niveau-là. Et bien, il suffit de voir celui qui va se rapprocher le plus possible de ces fameuses 264 mailles dont il vous faut pour obtenir le vêtement qui correspond à votre taille. Par exemple, pour le top Jane, j'ai noté, là j'ai les notes sous les yeux, c'est la troisième taille qui va se rapprocher le plus parce que au moment justement de rejoindre le dos et le devant, on a un décompte de mailles de 262 mailles. Donc c'est parfait, 264 mailles. Ça veut dire que pour 262 mailles, avec mon échantillon, je vais avoir 114 cm sur le vêtement fini. Bon, on est à 1 cm près, ça ne va pas changer grand-chose, mais au moins ça me permet de dire qu'il faut que je parte plutôt sur la troisième taille avec un tour de poitrine de 100 cm. Tout simplement, si vous voulez avoir un vêtement qui a un petit peu moins d'aisance, qui se rapproche plus, qui va être plus ajusté, bah si vous prenez la taille en dessous, vu le décompte de mailles qui est donc de 240 mailles, avec votre échantillon de 23 mailles, vous allez obtenir un vêtement fini de 104 cm. Donc vous savez que vous allez avoir que 4 cm d'aisance par rapport à votre tour de poitrine. Donc il va vous faire vraiment un top moulant, quelque chose d'ajusté. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu un exercice mathématique à faire, mais c'est pas compliqué et ça vous permet de vous libérer, de vous dire oh, « Mon Dieu, si j'ai une maille de plus ou de moins sur mon échantillon par rapport à ce qu'elle recommande et j'obtiens le tissu exact de ce que je veux avoir au final sur mon vêtement, ce serait dommage de ne pas, de s'en priver. Simplement faire une petite règle de 3 avec votre tour de poitrine et regarder ce qui correspond le plus à ce moment-là du patron pour pouvoir choisir la taille qui vous conviendrait le mieux. J'espère que ça n'a pas été trop confus, que ça a pu vous permettre quand même de bien comprendre comment bien vous faire plaisir à choisir le fil d'été qui conviendra pour tricoter votre petit top. Je vous encourage vraiment à venir nous rejoindre sur le cal. Je pense que voilà, on va passer un bon moment pendant tout l'été. Moi-même, je vais tricoter également un modèle de Lucille pendant cette période, pendant le cal. Comme ça me permettra de partager cette aventure avec vous. Et comme on est là
toutes les trois, Anna, Lucille et moi, en modératrice pendant tout le long du cal, si vous avez des questions, notamment par rapport à cette histoire d'échantillon, de choix de fil ou de choix de taille, et ben profitez-en parce qu'on sera là pour répondre à vos questions. Je vais donc vous laisser sur ces derniers mots. Avant de terminer cette vidéo, je vais procéder comme promis au tirage au sort concernant le petit concours que j'avais organisé au mois dernier sur mon vlog précédent concernant la petite devinette que j'avais posée pour connaître le prénom que j'allais donner à la troisième pièce de ma mini collection dans le cadre de mes créations 2020 autour de la bohème. Et vous êtes nombreuses et nombreux à avoir deviné qu'il s'agissait de Marilyn, en hommage à Marilyn Monroe, qui est la troisième actrice présente dans le film « Comment épouser un millionnaire ». Donc bravo à celles qui ont deviné. Je vais donc, comme promis, faire un tirage au sort sur YouTube. Et pour ce qui concerne la gagnante pour la page Facebook, comme j'ai eu un seul commentaire, et qu'il est juste, la réponse était la bonne, et bien ce sera cette personne-là qui va donc remporter un code permettant de télécharger gratuitement un de mes modèles au choix dans ma boutique Ravelry. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé au concours, je vous remercie également énormément d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère que ça va vous donner envie de tricoter pendant tout l'été et j'aurai plaisir à vous retrouver au mois de juillet pour un nouvel épisode. À très bientôt !